Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette session. Lors de la précédente session, nous avons configuré une session IBGP, Internal BGP, entre le routeur 1 et le routeur 5 en utilisant leur loopback address. Donc nous avons configuré des routes statiques entre ce routeur vers ce loopback et entre ce routeur vers ce loopback, et nous avions aussi des adresses des routes statiques entre ce routeur et ce segment, et ce routeur et ce segment, et une autre route vers le loopback de ce routeur. Alors, nous n'avions pas eu, nous n'avions pas montré que la session était up. Je vais le montrer show IP BGP summary. Nous voyons que la session entre le routeur 1 et le loopback 555 est up. Et donc, nous allons faire quelque chose. Nous allons partir au routeur 1. Je vais enlever les routes statiques et nous allons voir comment est-ce que ça va se passer. Non, IP route 111. Et nous allons aussi enlever non write IP route 555. Maintenant, vous allez vous demander, nous vérifions, la session est encore up. Mais pourquoi est-ce que la session est encore up? Eh bien, BGP est comme les autres protocoles, est comme OSPF, est comme EIGRP. Donc, il y a des timers. Donc, nous allons vérifier les timers de BGP. Je vais venir ici, show IP BGP neighbor. Je veux pointer au neighbor 555 sur lequel nous sommes en train de travailler. Donc, nous voyons ici, sur, ici là, nous avons le remote AS, c'est le 242. Et internal link, ça veut dire que c'est une session IBGP. Nous avons la version C4, le remote router ID, c'est le 555. Donc, ce routeur est en train d'utiliser un RID 555 et le BGP state est established. Ça veut dire que la session est up, up pour la session a été établie depuis 2 minutes. Alors ici là, nous voyons, c'est la partie qui m'intéresse. Hold time is 180 seconds and le internal keep alive 60 seconds. Ça veut dire que pour que cette session soit puisse être down, il faudrait attendre 180 secondes. Et ces routes ont été enlevées, mais nous vérifions, nous voyons que la session est toujours up. Donc il faut attendre 180 secondes. Donc nous allons, pendant que nous sommes en train d'attendre, je vais vérifier la session IBGP pour voir un peu les informations que nous avons vues dans cette commande. Donc je vais faire le show IPBGP et là vous souvenez que nous avons utilisé cette adresse IP qui est même là et nous voyons que la session est down, la session BGP que nous avions configuré avec les static routes est maintenant down depuis que j'ai enlevé les routes statiques. Nous allons repartir. Nous voyons que cette session est maintenant active. Active, ça veut dire que c'est un state de BGP. Ça veut dire que je n'ai pas un moyen d'atteindre cette adresse. Je n'ai pas un moyen. Donc, nous allons rentrer dans en mode configuration. Je vais enlever aussi les routes statiques que j'avais mis ici là. Nous allons remplacer cela par un protocole de routage. Excusez. Je vais enlever ces deux routes. Et ici c'était le 00, c'était le 0, excusez. Et nous avons enlevé cette adresse, cette route statique. Je vais partir au routeur 5, je vais faire la même chose, je vais enlever les routes que j'avais mis ici. Non,
Route. Ok. Ok. L'autre que je cherche. Ok, anyway, la session est down. Donc, nous allons maintenant remplacer ces routes par un protocole tel que OSPF. Je vais commencer par le routeur 1, Route OSPF 1, Network. Je vais mettre tous les networks pour que cela soit facile pour nous, parce que ce que nous voulons, c'est juste montrer comment est-ce que ça fonctionne. Area 0, donc je suis en train de mettre toutes les adresses, toutes les interfaces dans OSPF, donc je viens au routeur 4, qui est le deuxième routeur. Route OSPF 1, je mets 0 0 0, excusez, network 1 1 1 1 1 1 1. Area 0. Je vais partir au routeur 5. Je l'ai déjà fait au 1 et au 4. Router OSPF 1. Network Area 0. Et nous voyons que la session OSPF entre le 1 et le 4 a été établie. Nous venons de configurer le 5. Nous allons configurer le 3 et le 2 rapidement. Le 3. Router OSPF 1. Network Area 0. Nous allons le faire dans le 2 qui est ici là. Excusez, ça devient un peu confus. On reçoit les messages de partout. Router OSPF 1, network 0 0 0 0 0 0, area 0. Je vais donc enlever les autres routeurs. Le 3, nous ne travaillons pas pour ça, sur ça pour l'instant. Je vais repartir ici. Et tel que vous voyez, la session est redevenu up simplement parce que le protocole de routage OSPF a pris le relais et est en train de publier les adresses loopback. Nous allons repartir, nous allons faire le show IP route. Nous voyons maintenant que le routeur 5 peut à une peut atteindre le loopback 1111. Juste pour enlever le doute, je vais enlever cette route statique qui est toujours là. No IP route 1111 255 255 255. Et le next hop, c'est le 5412. Nous avons enlevé. Nous allons voir la différence. Ici, là, nous avions une route statique. Je vais faire do show IP route. Nous voyons que la route statique n'est plus. Donc, ce loopback est en train d'être publié par OSPF. Ici, là, nous l'avions toujours simplement parce que l'administrative distance d'une route statique a de la prévalence sur un protocole de routage et dans l'occurrence OSPF. Donc, nous pouvons ping, do ping le loopback, excusez, do ping le loopback 111. Nous pouvons ping. Voilà pourquoi la session a été rétablie. Donc, je vais repartir au routeur 1 pour vérifier.
and do. Show IP BGP summary. Nous voyons que la session a été rétablie depuis que nous avons maintenant un protocole de routage qui permet à ces deux loopbacks, à ce routeur d'atteindre ce loopback au travers de OSPF, parce que nous faisons, si nous faisons show IP route 5, 5, 5, 5, nous voyons que ce routeur, le routeur 1, peut atteindre le loopback 5, 5, 5 au travers de OSPF. Donc, c'était une façon de montrer qu'on peut le faire avec des adresses statiques, mais aussi on peut utiliser un protocole de routage. Donc, merci. Nous allons continuer avec nos configurations lors de la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.